Salut l'ami, c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu. Oui, je sais, ça va très vite, mais j'ai bientôt plus le temps, parce que là, y a bientôt plus de lumière. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto recette raclette. Non, je rigole. On se retrouve pour découvrir les produits, on se calme, quelques produits The Ordinary et The Chemistry Brand qui appartiennent au groupe DCIM. Tout simplement parce que j'ai fait une commande il y a pas très longtemps et je trouvais ça pertinent de te faire une vidéo première impression avant même de te dire ce que j'en ai pensé véritablement, puisque je vais les intégrer dans ma routine de soins sur plusieurs semaines et donc plus tard je te ferai un point sur ce que j'en ai pensé. Mais je trouvais donc pertinent de te faire une vidéo première impression tout simplement parce que en ce moment il y a 23% de remise jusqu'au 30 novembre je crois, et de fait c'est pas pour te pousser à la consommation, mais en tout cas si tu as envie d'acheter intelligemment, ça te permettra d'avoir un premier avis visuel sur les produits et pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. J'avais jamais véritablement testé leur marque, enfin la marque et les marques du groupe DCIM, j'avais juste un produit, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin dans la découverte. Avant de commencer, je te propose de t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Tu peux également activer la cloche de notification, tu peux également m'ajouter sur Instagram où je suis assez actif en Insta Story. Et pour interagir avec moi, tu peux commenter, liker et partager mes contenus. Et je remercie toutes les personnes qui s'investissent en ce sens. Donc je te propose de commencer tout de suite avec la présentation de 5 références plus un bonus. Ce bonus c'est parce que je l'ai commandé précédemment, mais je trouvais cool de te l'intégrer quand même à cette vidéo. Pour info, DCIM comporte plusieurs marques. Yalemide, The Ordinary, The Chemistry Brand, HIF, Niode. Voilà, j'ai dû encore oublier une ou deux marques. Et j'aime bien faire des points sur les marques parce que quand t'achètes des produits, t'achètes pas juste le produit et la formulation, t'achètes aussi la marque et ses valeurs. Mais là malheureusement je vais pas avoir le temps du fait de la lumière qui baisse, mais je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieure. Donc je te propose en fait de passer directement aux 5 références que j'ai commandées. J'ai intégré dans la barre de description de cette vidéo un timecode qui te permet d'aller à des endroits précis de la vidéo si tu es intéressé que par une ou deux références dans ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc concernant ma commande, j'ai choisi le Squalane Cleanser de la marque The Ordinary. J'ai sélectionné le sérum Pycnogénol 5% qui est un antioxydant. J'ai également acheté le Multipeptide Petite Sérum for Hair Density, donc qui est un sérum pour les cheveux en perte de densité, tu l'auras compris. J'ai également sélectionné le sérum foundation de la marque The Ordinary, qui est un fond de teint très fluide. Et enfin, le Retin Oil de la marque The Chemistry Brand, qui est un produit corps, une huile corps à base de rétinol. Enfin, pour le bonus, je vais te parler du produit yeux caféine solution 5% plus EGCG de la marque The Ordinary. Donc on commence tout de suite par le premier produit qui est le Squalane Cleanser, donc qui est un nettoyant visage à base de squalane. Pour information, le squalane est un ingrédient qui a une excellente affinité avec la peau. Il est très proche de la composition du sébum humain, donc le sébum que tu as. Hein. Et ce produit correspond à une philosophie de nettoyage très doux. Ça ne va pas être moussant du tout. C'est un produit onctueux qui se transforme en huile au contact de la peau. Je vais voir du coup découvrir ça avec toi dans un instant. On nous le dit dans le mode d'emploi, faire chauffer une petite quantité de produit entre les mains jusqu'à ce qu'il se transforme en huile, appliqué sur peau sèche et massé, puis rincé à l'eau chaude. Donc il est soluble à l'eau, il se rince à l'eau en cas d'irritation, blablabla. Pour ma part, je suis également partisan du nettoyage doux. J'aime cette philosophie du nettoyage doux, même pour les peaux mixtes à grasse, qui va vraiment respecter l'équilibre naturel de la peau. En faisant ça, normalement, on invite la peau à justement moins produire de gras puisqu'on a évité de briser sa protection naturelle et on a préservé le film hydrolipidique. Le produit se présente dans un tube 50 ml de ce format avec un bouchon clipsable. La texture est une texture crème blanche. Effectivement, c'est très onctueux, c'est très enveloppant et le produit se liquéfie au contact de la chaleur du corps. Il se transforme en huile et ensuite il suffit de rincer. Ça n'a pas d'odeur particulière, si ce n'est une odeur un peu de... Je saurais pas dire, tu sais, un peu de vaseline, de gras, tu vois. J'ai acheté plusieurs fois des huiles nettoyantes que j'avais beaucoup appréciées. Aujourd'hui, je teste d'autres choses, mais c'est vraiment un geste soin que j'apprécie. On aurait tendance à... Excusez-moi.
Généralement, on aurait tendance à un peu, ne pas porter trop d'importance à la phase de nettoyage et faire ça un petit peu avec des produits. C'est vraiment une étape très très importante parce qu'elle conditionne quand même beaucoup l'état de ta peau en fait. Je te propose de passer au produit suivant, donc qui est le Pycnogénol 5%, qui est un sérum de la marque The Ordinary, un sérum antioxydant. Pour le mode d'emploi, on nous le dit appliquer seul ou après les sérums à base d'eau, mais avant les huiles et les crèmes plus épaisse. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur le site d'ECIM. Dans les fiches produits, il y a beaucoup en fait de recommandations très précises sur l'utilisation des produits dans les étapes d'application parce que ça a une vraie importance et j'apprécie vraiment ça. Donc, sinon, mélanger avec d'autres soins pour augmenter considérablement leur capacité antioxydante. Si je ne te dis pas de bêtises, le pycnogénol est un actif issu du pain. Je vais vérifier ça tout de suite. Pycnogénol. Alors effectivement, pycnogénol est un extrait de plantes naturelles dérivées de l'écorce des pins maritimes français. On nous dit qu'il améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau grâce aux procyanidines, aux bioflavonoïdes et aux acides organiques qui travaillent ensemble pour rajeunir la peau, accentuent le collagène et l'élastine, aidant à nourrir la peau de l'intérieur. Donc c'est un format 15 ml. On va découvrir ensemble la forme du produit. Donc c'est un flacon pipette. Le produit est extrêmement foncé, c'est rouge foncé brun et je te propose de le découvrir sur la peau. Hop, donc tu vois, la couleur est assez foncée. L'odeur est assez prononcée, ça me rappelle les cours de découverte de matières premières olfactives en parfum. Ouais, ça me rappelle une odeur que j'ai déjà sentie dans les matières premières. J'aime beaucoup, c'est un peu fumé. Je sais pas si t'as déjà goûté du thé noir fumé. Et ben ça rappelle un petit peu le thé noir fumé. Donc bah à voir ce que ça donne et je t'en dirai plus tard des nouvelles. On va continuer par le multipeptide sérum for hair density de la marque The Ordinary. C'est un 60 ml. Donc on nous parle de principes actifs qui ont été j'imagine brevetés avec du redensil, du procapil et du capixil, du bacapil, du anagin et de la caféine à soluble élevé. Bon, ça a dû être breveté par The Ordinary. Donc améliore visiblement l'épaisseur, la densité et le volume des cheveux. Donc actuellement j'utilise un traitement pour la perte de densité au niveau des cheveux, mais également un traitement médicamenteux plus un traitement topique que j'applique, une lotion que j'applique sur le cuir chevelu. Et j'ai également un sérum à base de plantes qui permet d'activer la circulation sanguine du cuir chevelu et de favoriser la pousse, mais je t'en parlerai dans une vidéo à part, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc là, l'idée c'est d'ajouter quelques actifs supplémentaires, ou plutôt des peptides, dans ma routine de soins au niveau des cheveux. Donc pour le mode d'emploi, on nous dit appliquer quelques gouttes une fois par jour, de préférence le soir sur un cuir chevelu propre et sec, masser minutieusement le cuir chevelu pour faire pénétrer le sérum. Cette formule est un soin sans rinçage, ne pas se laver les cheveux ou le cuir chevelu après l'application, en cas d'irritation, blablabla. Donc effectivement, on précise que les marques que je t'ai essayé, les marques d'actifs que je t'ai citées tout à l'heure, donc on nous précise déposés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ah non, c'est pas The Ordinary, mais propriétaires respectifs. Redensil est une marque déposée de Givaudan, Procapil est une marque déposée de Cederma, blablabla. Ok, donc je te propose de découvrir ensemble le format du produit. Normalement, ça devrait être un flacon pipette. C'est ça, donc flacon pipette de 60 ml. Ça a l'air extrêmement fluide, très aqueux. Effectivement, la texture est ultra aqueuse, pénétration très rapide. Donc dans le cuir chevelu, j'imagine que ça sera la même chose. Attends, parce qu'il y a encore l'odeur du sérum. Alors je vais appliquer à côté là, sur mon autre main. Petite odeur légère, c'est discret. On va finir avec The Ordinary, avec le sérum foundation en teinte 1.2N. Alors je t'avouerai que j'ai eu un peu quand même du mal à trouver la teinte qu'il fallait. Sur le site internet, il y a des efforts qui sont faits sur la présentation des couleurs et t'aider à te guider à sélectionner une teinte, mais ça reste quand même franchement pas très simple de sélectionner une teinte de fond de teint par le net. J'ai fait comme je pouvais, j'ai pris la teinte 1.2N qui est une teinte assez claire, donc c'est une couvrance légère, sans parfum, cosmétique de couleur axée sur la pleine conscience.
Ils ont pris un Xanax pour... J'ai pas compris là. Donc un fond de teint fluide couvrance naturelle qui atténue les tonalités indésirables et réduit visiblement les imperfections. Bon, précaution d'emploi nous indique agiter avant emploi, déposer une petite quantité dans la paume ou sur le dos de la main, appliquer délicatement sur le visage, de préférence du centre vers l'extérieur du visage en cas d'irritation. Cessez donc d'utiliser du produit. Ok. 30 ml, flacon pompe. Il n'y a pas de protection en revanche pour le flacon pompe, mais bon... Ça me dérange pas trop, mais ça peut être... certains peuvent apprécier avoir une petite protection supplémentaire. Néanmoins, il se tourne. Il y a une sécurité, hein, je tiens à le préciser. Alors effectivement, il est extrêmement fluide. Pour la couleur, franchement, ça a l'air d'aller. Il faudra voir sur le visage, mais ça a l'air de bien se fondre, finalement. J'ai passé du temps à choisir cette couleur, donc... Ouais, écoute... En première impression, il a l'air vraiment agréable. Il a l'air de se fondre vraiment sur la peau, de se laisser oublier. Il a une texture très légère. Petite odeur aussi un peu là. On verra ce que ça donne au niveau de ma face. Ensuite, on continue avec le Retin Oil. Donc c'est une huile pour le corps réparatrice. Que nous dit-on ? Cette huile sèche corporelle ultra concentrée combine un complexe de rétinoïdes anti-âge 1% de nouvelle génération, des vitamines C et E, des huiles amazoniennes et des algues rouges de mer profonde, cherchant à diminuer l'apparence des cicatrices, des vergetures, de la cellulite, des zones déshydratées, des irrégularités disgracieuses et de la décoloration. Ça a l'air très complet, effectivement. Le rétinol est un actif extrêmement puissant. Il rebooste vraiment les cellules de la peau. J'ai d'ailleurs un sérum pour le visage que j'ai pas encore testé de la marque Estéderm. Vitamine C et E, donc très intéressant aussi. Vitamine E anti-radicalaire et vitamine C anti-âge, reboostant, éclat. Action vieillissement, texture, cicatrice, vergeture, cellulite, élasticité, hydratation. En fait, on a des petites indications sur les actifs, ce sur quoi ils agissent. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est une huile très joliment présentée en jaune poussin. Par contre, j'ai un peu peur sur le distributeur, là. Ouais, bouchon à vis et c'est en fait un goutte à goutte. Mais j'espère qu'il va pas être relou. Ouah, ça sent ultra bon. Bah, ça sent la vitamine C, en fait, hein. Écoute, franchement, ça fait pas grammé. Voilà, on sent quand même, on va dire, le confort de l'huile. Elle est quand même assez fine. La texture est vachement fine. L'odeur est hyper agréable. Elle se laisse quand même oublier là sur la main, à voir sur le reste du corps. Je t'en dirai les nouvelles. Ah, excuse-moi, je t'ai pas précisé, mais c'est du 100 ml, ce qui peut paraître faible pour du corps. Effectivement, si t'as l'habitude de mettre beaucoup de produits pour le corps, en l'occurrence, moi j'aime bien parce que je suis pas un gros consommateur. Très faible consommateur de produits pour le corps. Donc ça me va. Très bien. On a vu les 5 références que j'ai commandées sur le site dernièrement. Je te propose de passer au bonus que j'ai commandé précédemment, qui est le produit yeux que je sais pas où je l'ai foutu. Ça y est, c'est celui-ci. Le Caffeine Solution 5% EGCG, qui est un sérum. C'est plutôt un sérum parce que la texture est ultra fluide, un sérum pour les yeux. Néanmoins, il a quand même une certaine viscosité, qui est donc conçu spécifiquement pour le contour de l'œil, pour atténuer les cernes, la coloration, la pigmentation et les poches. La texture est fluide, mais elle est néanmoins un peu visqueuse. Ça me dérange pas du tout, hein, en soi. Et la couleur, c'est un jaune très clair. Celui-ci, j'aime bien l'appliquer en première étape et j'ai l'habitude de bien masser le contour de l'œil pour décongestionner et activer la circulation sanguine. Il a une excellente pénétration de la peau, donc c'est pas un produit que tu peux utiliser seul. Il va pas te donner de confort au niveau de la zone. Néanmoins, c'est un bon complément si tu as envie d'accentuer l'effet anti-poche, anti-cerne et atténuer un peu la pigmentation du contour de l'œil. Voilà l'ami, cette vidéo touche à sa fin, il va être temps de nous dire au revoir. J'espère que ce format t'a plu. Je te pose la question, ce format t'a-t-il plu? Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire et sinon, tu peux également me le dire aussi, mais explique-moi pourquoi tu as aimé ou tu n'as pas aimé ce type de format. Comme ça, si tu apprécies, c'est quelque chose que je réitérerai. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Si t'as envie de passer du temps avec moi encore, là, maintenant, tout de suite, je te propose d'accéder à l'espace playlist de cette chaîne où les vidéos sont regroupées par thème. Je te dis à la prochaine. En attendant, n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'éveillent tôt. Salut! Fake. And I couldn't tell at the time, but I was my own soulmate.